الو 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 يا عمري وين الو يا شبابي وين الو يا En tunisien, il y a un verbe qui dispense de tous les adverbes, c'est le verbe yitqafef, qui signifie littéralement porter le couffin. Porter le couffin. Pas le sien, mais le tien. Pour te montrer qu'il peut te lécher, mais encore plus, encore mieux qu'un chien. Et même qu'en le faisant, c'est à lui-même qu'il se fait du bien. Eh bien là-bas, ces chiens, on les appelle les qafef. Le premier est une tâche, mais une tâche. Une tâche avec des moustaches qui n'aime pas les cacahuètes. Il préfère les pistaches. Et son avidité et sa cupidité l'ont rendu lâche, mais lâche, Xiaomi. Et le nom de ce vendu que la Tunisie ne peut racheter qu'en se disant que même le dernier de ses laquais a réussi à se payer la des Français en leur disant que la France est plus grande que la vérité. Bravo, Xiaomi. Bravo. Le deuxième est une peau de vache. Un imam qui sème en se disant peu importe ce que je récolte, il faut que je leur pose un problème. En leur disant par exemple que leurs drapeaux et leurs oripeaux sont sataniques. Joli anathème pour un pays qui exècre l'islam. Marjoubi regrette d'avoir dit des choses regrettables. Il est victime d'un lapsus, non révélateur de son bonheur d'être en France. Il voulait dire son drapeau, c'est sa tunique. Et on a compris satanique. Oh, mais c'est le radical Nick qui a induit l'auditeur en horreur. En tout cas, c'est un coup fin, très fin. Bravo! Enfin, le troisième, parce qu'il s'agit d'une tâche qui là ne veut surtout pas faire tâche, mais ennoblir ses attaches. Mabrouk! Félicitations à Sonia, que les télés s'arrachent parce qu'elle dit seule la vérité qui fâche. Le Maghreb est en souffrance. Et la France est son maître. Et nul ne se connaît parmi les âmes qui y sont nées tant qu'il n'a pas souffert. Mabrouk, Sonia, de réécrire pour le Sud dit global, le seul mal qui ne fasse pas mal, la servitude volontaire. C'est bien brave de se dire quand on est esclave, c'est moi la chef. Alors, où est l'énigme? L'avez-vous résolue? C'est fort peu probable. Parce qu'il n'y a pas d'énigme, que de pauvres colporteurs, de plus riches paradigmes.